table du Seigneur soit avec vous. La paix de Dieu soit avec vous, l'Église. On va disposer le cœur pour entendre la parole de Dieu matin. On va entendre la voix de ton serviteur, pasteur Smith Joseph, et c'est lui-même le Seigneur qui va l'utiliser pour nous amener capable de bénir ma terre. À nous joindre bien ensemble et à prier le Seigneur. Amen. Voilà, Jésus. Est-ce qu'on s'en trouve béni matin? Nous remercions, mon Dieu, pour ça, pour sa fête. Et ça va continuer de faire encore pour sa gloire et pour son honneur. Mais avant tout, attendez, nous partons cantique ça avec moi. Le 25 français, le chant d'espérance. Et 23 membres de notre ange, Fils de Dieu, puissant sauveur. Qui demeure, alléluia, alléluia, d'âge en âge, le refuge des dieux pécheurs. Trois mois de notre temps.
Venant des cœurs
reconnaissant. Nous venons matin, hein? Si vous parlez connaissant envers bon Dieu, ça, si vous parlez connaissant envers ça, bon Dieu fait, eh bien, vous avez un monde qui est plus malheureux matin. Et après ça, il y a un auteur qui dit non, la bonté éternelle de Dieu, son amour ne change pas. Nous avons saisi ça. La bonté éternelle de Dieu, son amour ne change pas. Même au milieu des situations les plus instables. Amen. Et cette vérité est une source de sécurité pour nous. La paix, bon Dieu, amen. Est-ce qu'on a avec moi la matin? Cette vérité est une source de sécurité pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Il agit en temps et hors de temps. En temps que nous ne comprenons pas, en temps que nous ne pensons pas, bon Dieu, il est capable de faire la gagne que nous ne pouvons espérer dans la vie. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu, le Christ, Jésus-Christ lui-même, il était venu en forme humaine pour sauver l'humanité. Nous ne pouvons pas que l'homme ne peut pas saisir, nous ne pouvons pas que l'homme ne peut pas comprendre. Il était venu dans une période qui est assez difficile, il était venu dans une nation, dans un temps, pour que oh, le diable t'a fait fureur, où Rome t'a régné, maintenant en bras et en main de fer, et Rome t'a écrasé, Rome t'a foulé en pied, l'homme Rome t'a fait toutes ces deux choses, parce qu'il était la super puissance de ce monde, et Jésus-Christ n'a pas de sens à un moment, dans une nation, dans un temps, pour que nation même que les deux filles, et qui domination, c'est la domination des Romains. Et nous sommes capables de comprendre avec cette situation-là, nous sommes opprimés, nous sommes sentis vraiment que nous sommes à soupirer après nous, nous sommes besoin de nous, nous sommes besoin de nous, nous sommes délibérés. Mais malheureusement, nous devons comprendre. J'en attends mon Dieu. Mon Dieu va parler comme ça. Est-ce que l'Église est avec moi là maintenant? Et bien, nous sommes soupirés après nous, et pendant mon ça, la Bible fait nous connaître. Ou a défini une façon que Israël ne peut pas comprendre. Il n'a pas accueilli en tant que roi. Il n'a pas prendre en tant que chef. Il était dans le débat de dire, si l'homme ça qui est fait dans le bac bête là, il n'est pas capable de moi. Parce que lui ou moi n'est pas capable de faire dans le bac bête. Et elle, non seulement n'est pas capable de faire dans le bac bête, mais il était le fils, fils de Père humain. Nous connaissons café, meuf, café, le reste à l'eau, dans tout ça, il n'y a pas de valeur. Mais pour nous-mêmes, mais à parler, c'était comme ça qu'on identifie les gens dans tout Jésus-Christ là, parce que c'est les gens qui n'étaient pas bons, qui étaient morts, ou bien messieurs, qui étaient avec là, qui étaient capables d'identifier. Par exemple, on a regardé dans la piscine, on a parlé de Bartimée, il a dit Bartimée, fils de Timée. Ça veut dire que tout le monde comme ça, ça veut dire que ce n'est pas le monde qui a pile là, valeur. Il y a un peu de espérer. Mais Jésus, tu es fini maintenant. Et le papa, là, tu es Joseph. Et le temps de dire, n'est-ce pas le fils maintenant de Joseph? Mais on a d'ailleurs oublié, mais le fils de Joseph, mais oublié que Jésus-Christ était le fils unique de Dieu. Est-ce que l'église a la paix dans la matière? Vous voulez entrer côté de monsieur en matière ensemble avec vous? Et là, on a parlé, on a senti que ça n'a pas capable de moi. Ça n'a pas tué, ça n'a espéré, parce que on est tellement puissant, on est tellement extraordinaire, on est tellement dominationné, par les mots qu'on a opposé à elle. On a tenu à être venu délibérer, on a joué pour elle. Mais on a mis tout le monde, on a reconnu la délivrance. Là, on a fait une délivrance. Il faut comprendre maintenant que des bagages que Dieu a fait dans la vie, que des bagages que Dieu a fait pour même, différents dans le temps. Il fait dans l'heure, il fait dans le jour, il fait dans le moment, il fait dans la période, il fait dans ça que le monde n'a jamais pensé. Et quand on n'a jamais pensé, c'est là que Jésus a traversé. Le Seigneur l'a parcouru, le moment était venu pour qu'il soit capable de rentrer à Jérusalem. Parce que c'est période côté que lui doit aller. Parce que selon ce qui est écrit de lui, fort petit l'homme dans l'amour. Il a répondu avec l'église. Il doit entrer, et pendant la rentrée, parler, nous songer dans une institution qui dit, nous cherchons pour y retourner, mais où va la Jérusalem?
tout en laine pour corriger. En vérité, nous avons chevé la tête pour ne pas tomber tout en que bon Dieu va la bénédiction. Le Seigneur dit oui, faut parler parce que le Père a accompli ça que sa papa a délivré de moi-même. Mais à l'entrée, à un moment que les lacs de Jérusalem de loin, il va entrer dans la ville là. Nous avons pas assez de temps dans les paroles de Jésus-Christ qui a gardé Jérusalem et qui a prophétisé qui dit si vous êtes connus, les bons yeux de visiter toi, si vous êtes connus, vous t'a saisi comme ça, vous t'a saisi comme ça, et vous avez prophétisé sur Jérusalem, vous avez dit, vous avez besoin de mon père qui a retrouvé moi. Ma douce matin, saisis l'occasion, les Jésus a visité toi, parce que mon temps, vous avez besoin de Jésus, tu vas saisir la terre, quand vous avez besoin de ton cas, je vais dire. Et le Seigneur dit, allez prendre Timoric. Et Timoric, ça a été prophétisé déjà sur la parole de Dieu. Il dit, montez sur lui-même. Quel est-ce que Jésus fait pour vous? Il faut qu'on a unicité ce passage dans un quart de temps de temps. Quel est-ce que Jésus fait pour vous? Ce n'est pas parce que vous méritez ça, non? Parce que vous n'avez pas là. Jésus a fait. Quel est-ce que vous avez joui? C'est parce que nous sommes des gens qui méritent ce Wajouia. Wajouia! Parce que même là, il y a fait. Vous ne pouvez pas marcher maintenant sous capet. Pourquoi j'aime pas marcher sous capet? D'abord, je vais avec vous. Nous ne pouvons sortir dans Haïti. Pour une côté de marcher, c'est dans terre, dans le pâturage, vous parlez. Mais pour une là, qui va marcher sous capet, qui va marcher avec un peu de soumel, avec un peu de belle gras à terre. Nous allons mettre les est-ce que c'est pour une là, qui va marcher sous lui? Non, mais pour une là, jouer le droit à à cause de mettre la souris là. Il fait tout matin, il te mettre la chute à souris, il te mettre la rétine dans le même, il te mettre la chute à la roue, il te mettre la couvrir, il te mettre la roue, il te mettre extraordinaire, qu'on va jouer, il voulait parler, moi je dis quand même, parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Monsieur dit, entrez et moi je joins, il a rien fait exactement ça, je joins pour une là. Côté que même pas que Dieu, le jeûneur finit de se hocher pas souillé. Il a entré maintenant à Jérusalem. Il y a un passage que Michel a énoncé qui va être en pile, qui déroule en pile langue, en pile discours, en pile parole faite, en pile monde parle de lui, mais en pile monde. Il y a une interrogation qui dit il voulait énoncer ça, le dit à travers maintenant, et ce passage, à travers de l'entrée triomphale à Christ à Jérusalem. Il y a une parmi les théologiens qui parlait. Il dit que le cœur de l'homme, il a seulement fait ressortir le passage qui a été cité dans l'Ancien Testament. Le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout. Et puis, il parle en parole, le Seigneur lui dit, qui peut le connaître? Il dit, l'aveuglement spirituel peut entraîner maintenant à des choses extraordinaires et même à la mort. L'aveuglement spirituel peut être entraîné à des choses extraordinaires et même à la mort. Ça veut dire que l'on saisit dans le texte, ça veut dire fait de citation. Ça veut dire, l'homme est aveugle. Est-ce que l'église est aveugle? L'aveuglement, l'homme est aveugle, veut dire, il y a plein de soleil. Est-ce que le parole soleil dans la vie fait belle? Est-ce que l'homme est aveugle après ça? Elle me dit, l'aveuglement spirituel peut entraîner à des choses extraordinaires et même à la mort. Elle me dit, lors de l'église, et puis les messages, paroles que Dieu a prêché, lors de la carrière de Dieu, et puis on a fait. Il dit, rien pour vous parce que vous avez fait quitter dehors. La même chose avec mon église. Israël, il n'y a pas qu'à reconnaître le roi. Il n'y a pas qu'à les chefs religieux, ils n'ont pas qu'à reconnaître Jésus-Christ le Seigneur, ils n'ont pas l'idée de la loi, ils ont dit ouais, ça te fait. Et tel ça dit nous bureau, ils ont été indignés à la vue de sa Christ à faire qui était extraordinaire. Est-ce qu'on l'a avec là? Ils ont été fâchés, ils n'ont pas d'accord avec ça que tu as fait là. Ils ont été glorifiés le Seigneur, ils ont été fâchés, ils ont été boudés et on tabac maintenant comploté. Capable de mener à la mort. C'est ça que veut dire la mort spirituelle. Les yeux bouchés, les yeux aveugles, l'homme pas ouais, qui est capable de Dieu à faire, qui est capable de Dieu à passer, pour Dieu à faire, ou pas, je ne sais pas comment ça. Vous vous demandez, mon Dieu,
matin pour ceux qui sont ouverts parce que la gloire de Dieu est de l'entrée de la vie matin. Le Seigneur a reçu, mais nous pas fini exactement, continuer avec maintenant cette récitation parce que les en pile nous t'a dit ce matin. Je dis, la fête de notre spirituel, l'on a fait, l'on les bons Dieu a parlé, sur les bouchers, ou qu'à l'église là, bon Dieu a dit des bagages, bon Dieu a guéri mon âme, bon Dieu a fait miracle, bon Dieu a passé. Parce qu'on extra pareil que mon Dieu a fait dans la vie de moi. Je veux comprendre le matin. Lorsque mon Dieu a béni l'autre monde, mets-toi au côté de ça. L'église n'a pas fait de la vie. Est-ce qu'on peut voir Jésus au blâme pour ça, ma mère? Est-ce qu'on peut voir Jésus au blâme pour ça, ma mère? On va continuer le Seigneur. Le bon Dieu a béni, au lieu de fâcher, camper pour exalter le Seigneur et sa fête. Louer le Seigneur parce qu'il fait des bagailles extraordinaires. L'homme fait ça, bon Dieu, on pas le droit. En retour, bénédiction pour la vie. Est-ce que l'église a fait la bataille? Est-ce que pas Jésus vous l'a fait la bataille? Parce qu'on a connu les petits chapitres, les femmes sérieuses, sont des vies extraordinaires. Il dit que, je vais continuer, il dit que, si vous connaissez le mystère, la stabilité du trône parfait de Dieu en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, en tout point, vous élevez votre voix et vous diriez Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna paix sur la terre et dans les cieux. Comme vous pouvez dire avec moi-même, j'avais ôté le sacrat du sabbatéen, enlevez mes mains pour dire Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux et paix sur la terre. Ma vie, ma terre, le Seigneur, il va finir un jour que l'homme a espéré. Mais elle définit étant un prince de paix, un roi de paix. Et c'est ça, oui, Bourrique là, s'il vient. Bourrique là, s'il vient, parce que Bourrique pas marché, pas dans le cheval. Bourrique par l'hiver. Bourrique par l'hiver. C'est un animal qui marchait là, son animal qui marchait maintenant, il n'a pas couru déjà avec l'autre monde. C'est-à-dire, Jésus n'est pas entré à Jérusalem étant le roi avec mon chat de guerre. Parce que si tu es avec mon chat de guerre, comme nous-mêmes après que je viens, nous ne pouvons pas bénéficier de sa vie. Jésus n'est pas entré à Jérusalem, son gros machine, il va entrer son gros excellence. Si tu es entré, il t'est qu'à entrer avec là, il va entrer avec là. Parce que je viens, si tu es entré avec lui, nous-mêmes avons le pas de caractère. Jésus m'a entré pour te faire mettre la gloire éclatée, pour te faire la gloire d'une Noël, mais t'es entré avec humilité et sa foi besoin tout temps pour humilier dans mon Dieu, parce que la parole de me dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et vous l'avez là au temps convenable. Tu humilies dans mon Dieu la terre, ma dis-moi, le Seigneur, la personne va espérer la vie. Je suis entré son bourrique et mon plan marché tipa. Ça veut dire, n'importe qui moun ka touché là, n'importe qui moun ka manger là, n'importe qui moun ka joigné, il voulait tout matin là. Mais si Jésus pas fait ça, ou t'a barré, comme le dit t'a barré, les chefs religieux t'a barré, ou t'a gâché de sa vie là, mais heureusement, il est entré. N'importe moun qui m'a vu de côté là, ou t'a joigné, parce que si vous voulez moun ka touché là, ou même matin là, il va vous dire, je vais approcher mon côté le matin. Je ne suis pas entré sur un champ de guerre parce que il n'est pas fini pour te conquérir, mais il est fini pour te conquérir que moi-même avec moi. Est-ce que l'église a l'avec moi la matin? Il est fini pour te conquérir que par qui te charge avec péché, charge avec iniquité, charge avec tout ça qui va bon. Et ça fait monter à chanter et dire, mon songe qui joue te délivre maintenant. Et me connaît mon fini avec péché parce que moi je vais délivrer ça. Et me sauver n'a péché pour toujours. Est-ce qu'on songe pour de Jésus des bras? Est-ce qu'on songe pour de Jésus bras? Est-ce qu'on songe pour de Jésus des bêtises? Est-ce qu'on songe pour de Jésus des bêtises? Est-ce qu'on songe pour de Jésus des bêtises? Et dire que le fin avec vous. Est-ce qu'on songe pour l'autre? Dis ça de chaque autre. T'as de ta colonne. Sous la matière. Sous la méconne la cour. Sous la méconne là-dessous. Tiens, Jésus fait ça. On te voit. Nous t'aimons la belle. Nous t'aimons nourri. Nous t'aimons la bonne joie. Nous t'aimons le bon chou. Nous t'aimons la bonne joie. Nous t'aimons la bonne joie. Jésus prend le divin. Nous t'aimons la gloire de sa matière.
délivré. Est-ce qu'on reconnaît ça avec Jésus de terre? Comment nous disons Jésus de délivré? Comment nous disons Jésus de délivré? Est-ce qu'on songe au bon avis, ma cause Jésus de bon avis? Est-ce qu'on songe au bon avis, ma cause Jésus de bon avis? Personne! Pas qu'à dire ça va.